Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 10 mai sur l'hippodrome de Berlin-Hoppegarten en Allemagne. Avant cela, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce vendredi sur l'hippodrome de Kalmar en Suède. Award Chronos, le numéro 4, s'impose de bout en bout et ce assez facilement. Top Chronos s'illustre en donnant le tiercé quarté quintet plus dans le désordre, franchement pas si difficile à trouver pour l'occasion. Cela se ressent d'ailleurs pour le concours de pronos gratuits où de très nombreux participants ont fait aussi bien que Top Prono. Parmi eux, citons Gilou 5980, Co-Riders 1 et Charlie 196 qui trustent les trois premières places du classement général du jour. Bravo à eux trois. Allez, abordons maintenant ce qui doit théoriquement être le dernier quintet plus à l'étranger avant la reprise des courses françaises ce lundi. Direction l'Allemagne en ce dimanche 10 mai 2020 et plus précisément Berlin où aura lieu le prix CKS Bau Express Rennen. Cette sixième course de la Réunion 1 verra son départ être donné à 15h pétante. 13 galopeurs âgés de 3 ans et plus s'affronteront sur le parcours des 1600 mètres de la piste en gazon à main droite. Dreamcatcher, le numéro 10, a une candidature intéressante puisqu'il fait toujours l'arrivée ou presque. Théoriquement, dans ce lot, il est celui qui propose le plus de garanties avant coup. Antipolis, le numéro 5, est un adepte de la piste d'Hoppegarten. L'aptitude au tracé ayant toujours beaucoup d'importance, il faut lui accorder du crédit. Mr. Bean, le numéro 4, a une belle musique et même s'il devra composer avec une valeur plus importante cette fois, il peut briller. Valanka, le numéro 11, est un modèle de régularité pardon, et une jeune femelle de 4 ans en mesure de jouer un très bon rôle dans ce quintet plus. Vasilios, le numéro 2, a de belles qualités et face à une telle opposition, s'il est dans un bon jour, il est capable de faire tilt. Zaro, le numéro 8, a des performances très intéressantes. S'il est dans un bel état physique, il peut même gagner cette compétition. En cas de non partant, It's My Turn, le numéro 1, tentera de se sortir de ses 64 kilos pour briller ici. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.